pas jamais faire, il n'est pas capable. Nous mettons l'OEA en défi, nous mettons l'international en défi, nous mettons la République dominicaine en défi. Où est-ce que ça va passer en Israël, là, qui pourrait passer en Haïti avec la République dominicaine? Changez-moi, dis-nous ça. Mesdames et messieurs, chers amis, gros nouvelle cap dominé actualité, situation extrêmement compliquée dans la zone métropolitaine. Population lagué des bras ballants, gang yo continue à théoriser yo. Pa gen l'état, Ariel Henry qui campé en maître pays, li seulement rete ap tann pou yon corps étranger rentrer dans pays an. Pendant ce temps, gang yo continue à prendre espace, gang yo continue à théoriser population. J'en ap gade image yo sou ti ekran nou, c'est gros kouri qui gen dans zone métropolitaine nan, nan marché kwa debosal. Plizye moun déjà victime en babal gang La Saline ak gang Waf Jeremy. Ti machan yo oblige kouri kite machandiz yo a terre. Yo pa même gen chance pou yo ramase yo nan kad konflik ki eklate antre gang La Saline ak gang Waf Jeremy an. Pendant l'état abdomi ap tann kò étranje antre nan peyi a, gang yo même yo continue à théoriser population. Après autorité nan OEA yo fin annonce nouvelle la, très bientôt y a pa voye yon délégation vin visiter canal k ap fèt sou rivye Masak la. En pile moun gen inquiétude pour la République dominicaine pas monter complot ak OEA pour camper travail k ap fèt sou rivye Masak la. D'ailleurs, c'est Louis Abinadel qui pote dossier dans OEA. Moun yo fè konnen OEA pa jam en faveur Haïti, yo capable vin bloquer travail là. Mais pour ancien sénateur Jacques Sauvé-Jean, li wè bagay la nan yon lot zye. D'après ancien sénateur, c'est yon bon bagay pour OEA voye vin visiter canal là, mais c'est pas seul canal panouan pour yo visiter, faut que yo tout profiter visiter tout canal la République Dominicaine gen déjà yo parce que nous nan conflit, faut que conflit a résoudre, si c'est dans dialogue pour le résoudre, pour le résoudre. Mais si Nations Unies, OEA, la République Dominicaine pensent capable de venir camper, travail ça cap fait sous vie Masak la, ça cap passé jodi en Israël, c'est lui même qui va le passer Haïti à la République Dominicaine. Ancien sénateur a dit, yo pas prêté camper comme ça à garder pour blanc ta venir pour camper travail ça cap fait sous vie Masak la. Ancien sénateur a dit travail la pap campé, yo pral aller jusqu'au bout. Si c'est bataille pour yo bataille, y a bataille ak République Dominicaine parce que canal la a continué et y a continué chercher de l'eau pour nous capable produire. Quant à pour frontière qui ferme, ancien sénateur a fait qu'on est, faut que continue kembe frontière fermée pour haïtien capable produire la caillou pour nous capable sortir en bas main République Dominicaine. Ancien sénateur Evalier Beauplan, nèg l'huile là sorti dans silence li sous sa cap traverser Haïti ak République Dominicaine pour canal cap construit sur rivière Masak la. C'est tout après dernière information qui tombé côté autorité OEA yo annoncé très bientôt y a voye yon délégation vin visiter canal là. Mais n'a profité rappeler ou c'est même nèg sa yo qui t'est campé en quoi les président Jovenel Moïse tape construit barrage Marion, nèg sa yo t'est metté pays à tête en bas et ancien sénateur ça t'est relé pendant te chita dans pays États-Unis, li t'est relé dans station radio dans pays d'Haïti, li t'est mandé pour aussi men l'huile sous toute route yo, ça veut dire nèg sa pa gen famille, Haïti pa concerné, qu'importe moun sous machine al traverser sous route sa yo, machine fait accident, et ben jodi a c'est même ancien sénateur ça qui prend position sous même canal Jovenel Moïse t'a construit, yo t'est metté pays à tête en bas qui fait le pas de gain temps avancer dans question ça. Et ben jodi a ancien sénateur a positionné c'est tout par rapport à la délégation OEA qui gagne pour entrer dans pays a. Nous gagnons pas quelques autres informations, nous pas arrivé développer dans vidéo ça, mais nous pral gain possibilité dans un petit budget pour nous suivre tout détail qui gagne dans vidéo ça. Mais bien avant, n'a pas profité saluer et remercier chaque abonné nous yo et n'a profité saluer ou tout ou même qui fait que rejoindre notre plateforme ça. Nous déjà dit ou merci et déjà bienvenue dans famille On TV. N'a demandé autant prix abonné et songez les au fin abonné pour activer cette cloche notification hein, pour capable notifier à chaque fois de poster une nouvelle information. OK, comment t'apprendre en fait avec qui sentiment qu'on apprend nouvelle que OEA qu'on y a là donc et touché par question canal là donc dans nord-est pays. Bon,
nouvelle internationale, il est toujours bon pour comprendre ce qui a passé dans le monde. Parce que l'information, c'est ça qui est considéré comme munition dans les armes que vous avez utilisées pour faire la guerre. Donc, il faut qu'on tenir compte de l'information, tant qu'on mieux informé, tant qu'on mieux parler pour faire la guerre. Donc, l'annonce de l'OEA pour capable de voyer une mission technique pour évaluer ce qui relève construction canal qui a fait sous rivière Massaclan, je prends le temps pour une bonne nouvelle. Contrairement à un pile monde qui a des grandes inquiétudes, puisque dans tout sens, Laurent Goumen, il faut qu'on Kijon pour introduire la paix. Il faut que les gens pour ça commencer. Ça veut dire que si c'est pour évaluer, moi-même, je pense que nous, Haïtiens, devons tout profiter de mission technique, ça, pour faire évaluer 11 prises dominicaines. Ça veut dire qu'en évaluation générale de Sacré-Léon-Rivière, qui est partagée par deux républiques, et maintenant, qui genre, qui quantité de débit que chaque république prend dans Rivière-là. Parce que Rivière-là, c'est propriété tous deux républiques. Très bien. Maintenant, il est défini par un point de départ de côté le prend naissance à côté là l'abouti. Et sous toute route, il y a un pour respecter trajectoire naturelle. C'est-à-dire qu'on pas même bien droit dérouter, ni si on a dérouté, il doit gagner un accord entre les deux parties qui pour expliquer que, écoutez, donc, ma prend tant débit dans la rivière Sala parce que moi j'ai tant d'hectares de terre dans bon sens travail pour le bien de ma République. Et l'autre tout, aussi, je m'apprends tant là pour que je travaille tant d'hectares de terre dans l'espace parisien pour le bien de ma République. Et ça, c'est des choses qui ont fait n'importe quel canal qui a été inauguré, tout le magistrat commune qui a venu, et puis qui a venu dans le lancement, dans l'inauguration, ni de travaux. Ça, ce sont des choses amicales, ce sont des choses qui juste que nous faisons usage de l'eau grand maître à bon escient pour toutes deux républiques. Et voilà que ce n'est pas le cas. La République dominicaine, nous est janvier, et la République d'Haïti, nous est janvier. Certes, ils ont responsabilité de nos dirigeants. Ils n'ont jamais revendiqué eux-mêmes le droit que ont gagné pour demander aux Dominicains comment nous faire prendre autant de prises et combien de débits que nous prenons dans la rivière là, pour qui raison. Maintenant, si eux-mêmes ont demandé, et je dis à nous avons une opportunité pour sacrer un arbitrage international aux yeux du monde pendant qu'on est à l'ère de l'information, on est à l'ère de la technologie. Personne ne va pas mentir, je prends ça comme une bonne nouvelle. Et maintenant, si nous avons tout uni, yo l'aide, yo sale, par quoi yo va le vini avec un proverbe qui dit plutôt nous l'aide nous là, que yo conforme yo probel, parce que lumière le même, personne va gab vindim, que moun l'aide à la mode en bas lumière. Très bien. Maintenant, yo en compte pareil, et quand elle l'a le fait, sous territoire haïtien, mais sous territoire dominicain? N'importe territoire avec consentement de pays. Et si yo intelligent, yo quand même prévoit, yo rencontre, comme Dadou, à deux volets. Ça veut dire qu'une fois les deux pays représentés, ils ont le droit de choisir. Il faut que la première rencontre dans la République ça, ou fait deuxième dans la République ça. Parce qu'il faut que vous développez le sens de l'équité pour être capable de faire un arbitrage. Sinon, vous avez le droit d'inviter dans un pays neutre, soit à Cuba, soit à n'importe l'autre côté. Mais le plus fait étude technique, les techniciens vont vous déplacer à sur les lieux. Mais la rencontre, vous avez le droit de faire n'importe l'autre côté, bien entendu, selon le vœu des deux républiques. Très bien. Conflit dominicano et haïtien, selon OEA, il faut que tu aies en fait des experts juridiques et pour venir évaluer en fait le travail qu'a fait dans le cadre de la construction canal sur rivière Massacre. Mais c'est certain que il y a des documents qui existent déjà. Est-ce que vous pensez que je dis et experts juridiques, ça y est, Patado est venu baser sur ça qui existait déjà, sur ça qui est écrit déjà du côté des deux républiques? International, c'est pas pour nous que vous faites loi rivière. Il y a des problèmes ça déjà sur l'Égypte, sur d'autres pays où les eaux sont utilisées par différentes républiques. Donc cela veut dire que il y a des gros guerres qui font déjà pour ça. Il y a des dispositions qui prennent pour qu'on ait exactement. Donc il y a une rivière définie par un point de chute qui gagne une trajectoire naturelle de point de départ à point d'arrivée. Donc, l'œil sépare deux républiques, il compte jusqu'à trois républiques, il compte jusqu'à quatre républiques.
parce que ça dépend. Il y a le fleuve du Nil qui desservit l'Éthiopie, qui desservit l'Égypte et plusieurs autres pays. Donc, si on y a un pays d'âge de lit, où il y a toute partie, toute vraie protagoniste qui concerne, pour qu'il y a Chita, pour qu'il y a une étude technique, pour qu'il y a tenu compte de depuis le début, quel que soit présent, ou du moins début fonctionnement. Et jusqu'à au moment que n'a fait discussion donc il faut en tenir compte des documents et c'est ça que m'ta remet haïtien m'a mettez en garde puisque si l'État ne s'intéresse pas à cette histoire je vois une attitude que l'État haïtien donc ouais, ça va regarder après que ce peuple là qui a fait des démarches donc une négociation avec arbitrage et l'international à ce niveau doit demander présence permanente et présence foncée de l'État haïtien avec des documents à l'appui. Parce que c'est l'État qui dotait de tout document, de tout droit de signer, de, qui est habitué à signer. Donc, j'aimerais la dérouler là, à l'idée fragile, parce que il y a laissé bataille là dans la même population. C'est comme si c'est la population qui va déléguer une commission pour aller discuter non arbitrage côté que la République dominicaine formellement avec l'État président etc. Si c'est comme ça qu'on va dérouler, il faut nous prendre précaution puisque moins Ouluko nous toujours a dit nous ça moins c'est auteur intellectuel mouvement ça mais il y a une grosse différence entre auteur et acteur. Eh bien. Pas obligé acteur pendant moteur même si nous avons acteur et auteur en même temps. Mais l'homme garde des situations, j'aime développer stratégie pour mener nos côtés rivières là, parce que maintenant, son cri d'alarme à l'État haïtien, puisque nous pas qu'à faire sans l'État, nous pas qu'à faire en 25, nous pas qu'à faire bataille, ça sont bataille de deux républiques, c'est pas une bataille de deux populations seulement, populations impliquées, mais cependant, il faut que mon titre officiel, il faut qu'on prise en charge officielle, bien entendu, à connaissance de cause avec les citoyens qui concernés, pour que nous posions problème à ce niveau, pour nous pas le perdu. Parce que, et pas tout le monde qui a besoin de raison, ou souvent, et tout le temps, besoin de la paix au lieu de guérison. Mais, ou grand pile monde fort, qui compte bien un but de mal libre à le faire, l'informal là, elle lui dit sorry parce que l'informal là, la cherchait qu'on est à la paix, il n'a pas besoin de raison encore, il acceptait qu'il y a tort, mais c'est pour le continuer à faire exactement ça à faire. Donc, nous pensons que nous, assez intelligents, dans le moment que nous vivons là, pour nous compte que l'OEA, composé de tout pays que le gagne, ce n'est pas qu'on y a que le qu'on a Haïti avec problème ça, sous elle vient demander arbitrage dans le moment, c'est sur demande probablement. De la République dominicaine. Je ne sais pas quoi l'État nous a été intéressé pour faire demande là. Et ceci, la République dominicaine, bien documentée pour le vin sous nous. Et si qu'on y a là le cas prouvé que nous en top, parce que nous gagnons, par exemple, manque de pièces de à conviction, nous gagnons manque de témoins, nous gagnons manque de technicité, et nous gagnons y a là pour une prononcelle. Donc, pour pas loin. Que guerre n'a pas déclenché, l'a déclenché parce que canal l'a pas campé, haïtien pas campé, c'est pas que vous parlez, vous pas qu'à camper, parce que si vous campez, il y a bruit, et c'est pas seul canal l'a pas campé, c'est chercher de l'eau qui pas campé, n'a pas cherché de l'eau en bataille, n'a pas cherché de l'eau dans la rivière, n'a pas cherché de l'eau dans le ciel, nous besoin de l'eau pour nous travailler parce que vous pas qu'à mon pays, l'elfine encore pour ne pas capable d'être li manger parce que tout simplement l'État là pas prend système hydraulique là au sérieux et puis il a tout va jeter dans la mer. En quelque soit quantité de l'eau jetée dans la mer, il est juste tombé dans la mer, ça ne fait pas de tort à la mer. Parce que bon Dieu t'a créé l'espace avec terre, avec l'eau là-dedans, où il y a 3-4 d'eau que de terre. Ça veut dire que l'eau ne fait pas de mal à la mer. Donc si par contre j'en bouge, il vous servez avec l'envoi dans la mer, ça c'est problème pas. Donc nous avons l'État qui peut comprendre ça. Donc on a souhaité que tant de cris d'alarme ça que nous appelle ça à l'État haïtien. Si l'État haïtien ne peut pas le faire, nous n'avons pas l'autre choix. On a obligé maintenant l'autre mouvement pour jeter le gouvernement ça, pour nous joindre le gouvernement qui voulait faire là. Et la pontite en plus, mais la fait. Eh bien. Et sénateur Jacques Sauvageant, vous connaissez que l'OEA, et nous prenons la main déjà dans la main l'OEA. En fait, l'OEA a quitté des goûts amers, donc on a bouché le peuple haïtien. Et dans tout ça qui passait déjà, et dans la question élection et dans d'autres questions également. Maintenant, et là, l'avenir, c'est comme il y a un arbitre, et il parlait d'évaluation, canal là.
Alors, depuis, il a parlé de évaluation. Dès que gain évaluation, ça dit que les cas intérieur, les gars pas l'intérieur. On dit au fin évalué et j'en dis tout à l'heure là, il va venir de pas propre, de propre gré par eux. C'est sans doute ce demande de la République dominicaine qui ont même déjà gagné une très bonne documentation sur question. Hein. Et puis on a pris décision pour dire que Haïti faut fermer de ces canaux là. Qui ça qu'a positionné? Pas jamais fermé, il pas capable. Nous mettons l'OEA en défi, nous mettons l'international en défi, nous mettons la République dominicaine en défi. Où est-ce que ça va passer en Israël, là, qui va passer en Haïti avec la République dominicaine? Changez-moi, dis-nous ça. C'est deux pays qui, dans le monde, partagent frontières, mais qui sont deux nations différentes. Nous sommes capables de joindre Corée du Nord, Corée du Sud, mais ce sont des Coréens avec une mentalité, avec une culture qui fait que son mésentente qui fait ou fait frontière. Ou qu'a joué Allemagne, de l'Est, de l'Ouest, mais ce sont des Allemands. Ou qu'a joué Iran, Irak, mais ce sont des musulmans. Mais en Israël, ou joué Arabe, et puis ou joué Juif. En Haïti, ou joué Africain, ou joué Espagnol. Cela veut dire que c'est pas mal ou qu'a couru sous lui comme ça. Mais comme moi, ou n'est pas pêche à l'air, et que le monde rive dans le carrefour que le rive à là. Vous pensez qu'il y a une lumière du feu dans tout coin dans le monde pour une raison ou l'autre, mais c'est l'affaire de gros pays, monde qui a mené un gros bagage. Donc, si vous voulez partager une solution, et par une solution quelconque, une solution favorable à la position haïtienne, nous donnant droit de faire usage de la rivière dont on a tant besoin, de l'eau dont on a tant besoin, ou mettre qu'on est pour la guerre. Et laisse à nous-mêmes qu'on commence à préparer nous, continuer à préparer nous en tant que Mahon, parce que si c'est la guerre liée, bataille liée, tonton, relais tapoua la mort, relais Jean-Jacques Dessalines, relais Negnabitou, relais, puisque nous, bien la caille nous, que nous carrelais, pour nous affronter, parce que pas de monde qui a pris le canal. Très bien. Ok, dernière question. Et frontière a toujours été fermée au niveau de Wanamet? Il doit. Et s'il t'a ouvert, ou mettre qu'on est que c'est un signe qui expliquait que nous en chute libre vers une défaite. Puisqu'au fond, le plus gros cadeau pour nous faire nous comme Haïtiens, c'est que les frontières ça ferment jusqu'à ce que nous résoudons toute crise diplomatique que nous avons avec non seulement la République dominicaine, et avec l'international. C'est un ballon, c'est un cadeau à Abinader pour le pays d'Haïti. Il faut que nous reconnaissons face à Abinader sa réaction disproportionnelle en rapport avec nous. Banalité, donc crise de rivière, ils ont pris l'eau à point que monsieur déploie l'armée comme si c'était la fin du monde, et puis qui prend des décisions. C'est ça que fait mêler Lyon Pampan, parce que Lyon Pampan a pris des décisions, il n'a pas tenu compte de conséquences, il a quand même pris des décisions qui contrôlent. Donc, son décision de Pampan qui fait que monsieur gagne des réactions disproportionnelles face à une telle situation. Donc, c'est un cadeau. Donc, si nous gagnons mal, nous ouvrons frontières. Là. Et si c'est bon, l'État responsable, donc on dit plusieurs fois. Premièrement, nous avons rappelé tout diplomate en République dominicaine yo, pour faire rentrer, quitter seulement les petits employés pour régler les petites affaires, ramasser tout haïtien, quelle que soit la dimension, pour venir retourner à la caille, rencontrer avec des hommes d'affaires haïtiens, et de mettre son sireur de bottes haïtien qui vivent en République dominicaine, faire rentrer pour venir rencontrer avec sireur de bottes haïtien pour qu'on ait réalité. L'État offre un encadrement dans les 6 premiers mois, jusqu'à 1 an, encore pour qu'on ait les gens qui ont conjugué, ça crée les constructions de pays, et à ce moment-là, nous sommes bons. Mais si, ou t'as ouais que l'État a été bras croisés, a joué à petit tato, a brancé bêtisé, ou mettre qu'on ait que nous, ils sont des traîtres parce que nous toujours des traîtres, malgré dans la Dessalinienne, ils ont dit dans nos rempres de terre, mais assez souvent, quand nos chambres, maintenant des nègres chantent gros voix garçons, Jean Laurent, ouais. Le traître, et bien ils sont tous des traîtres. Or, le traître n'a pas sa place dans notre société. Le traître n'avait pas sa place. On nous conclut, sénateur Jacques Sauvageant. Mais conclut pour nous. Oui, conclusion, c'est un bagage facile pour nous comprendre. On disait, on parlait de la fermeture de la frontière. Donc, moi-même, je suis pour et je pense que le peuple du Nord-Est, la population nord-estienne, pour la fermeture de cette frontière. Et comme je te disais tantôt, je pense que l'État doit venir prendre en main la relève, ses responsabilités, pour que permettre de nous mener en bataille équilibrée, parce que c'est la guerre. Ce n'est pas parce que pas un fusil capturé déjà qui fait le bon pour la guerre, mais c'est une guerre assez significative. Ce n'est pas comme Dimdadou, il y a un bagaille que nous inventé. C'est une guerre déclenchée par la République
dominicaine sur Haïti. Donc, il faut que nous menions nous à hauteur pour nous capables de mener une guerre. Donc, pas question d'ouvrir frontières, à mon humble avis, et j'espère que c'est aussi l'avis du peuple haïtien et de tous les Haïtiens qui se sentent concernés par cette agression de la République dominicaine. Très bien. Merci, merci beaucoup, sénateur Jacques Sauvageant. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Alors, une nombre. C'est une opportunité pour le pays, parce que ça passe avec Dominique et eux, on fait des orgueils haïtiens. Ils ont fait nous comprendre, il faut que nous comptons sur la tête, nous, pour que nous autosuffisants, ou c'est nous qui baillons tête, nous manger pour ne pas dépendre de monde. Parce que l'on dépend de monde, nous n'avons qu'à faire marchandage avant l'élevé. Donc, on a intérêt à travailler. Et ça qui est dur, c'est que pendant que nous ne voulons pas créer autosuffisance là, tout travail la République dominicaine fait et que je vous dis, ça le produit la traversée frontière qui ouvre devant nous, c'est nous encore qui travaillons dans le jardin de la caillou. Pour qui ça nous pas décidé de mettre un minimum en termes de infrastructure, de structure dans le pays pour que le peuple arrête la caillou. Même travail la République dominicaine qui fait que la République dominicaine produit ça le produit pour faire devant nous, pour nous ramener. Bon, question ça, on connaît. Quand même, je n'ai pas débat sur eux, parce que moi-même, je suis parlementaire, je prends toujours un type de position, ça, mais je suis toujours minoritaire. Quand on est comme ancien journaliste qui est accrédité dans le Parlement, l'on fait des débats, il y a des gens qui parlent bien, ils disent que c'est pas l'empire, ils faire, c'est leur histoire, et puis finalement, ils arrivent dans la phase pour que ils concluent la question. Il faut que l'on dise non, c'est pas son dire, raisonnement à faire, c'est pas lui qui est bon. Question République dominicaine, Haïti, à son question, moi traité déjà moi-même. Et moi, toujours prends le soin pour me forward, transférer by tout Haïtien qui n'a contact moi, ensemble de travail que je fais. Mais il y a des gens qui prennent soin, le soin pour yo lio, pour yo tendre yo. Il y a des gens qui m'ont occupé à parlementaire. D'une manière générale, des missions parlementaires qui transfèrent bon bagage au monde. Tout parlementaire c'est volé, tout parlementaire c'est corrompu. Et puis ça veut dire que vous passez dans l'OA, vous pas prendre temps pour y travailler, pour que au moins vous retournez à l'ascenseur, dit mon cher compliment. Et nous avons besoin de mettre plus de pression ensemble avant sur l'exécutif là pour capable d'exécuter son dio. Il y a des problèmes et rapatriement sous président Jovenel, malgré l'opposition. Le ministre affaires étrangères, président Jovenel, c'est Antonio. Et il était à plein de moi, il dit là, nous, on nous résout, qu'on soit nous résout, il dit, M. sénateur, comment nous résout. Antonio, il faut une commission bilatérale. Oui, on fait une commission, une commission mixte. Avec deux cadres ministères affaires étrangères qu'on connaît qui est niveau dans le domaine là, et puis moi-même comme président de la commission affaires étrangères, m'a pris en délégation et puis m'a demandé aux gens de bon côté de la République dominicaine pour discuter. Parce que question ça aussi notre pas qu'à résoudre. Question fait syndicat pas qu'à résoudre, sans question diplomatique qui est rapport à deux pays, il faut que vous-même, ou allez en tant que chef, bon côté l'autre chef en République dominicaine, pour nous garder l'autre dans les yeux, pour nous râler documents notés écrits qui datent de très longtemps, des gouvernements, ça ne parle encore, pour nous dire, mais ça t'est dit, si ça t'est dit, on nous a maintenu pour nous maintenir, si ça t'est dit, on a faiblesse, pour nous réviser, pour nous updater, pour nous dire, moment, exiger à ce que nous updater dans ça que nous t'est dit, même si ça me défait, je vais aller en République dominicaine, et que moi, j'ai eu Soel Jacette dans la délégation, j'ai eu Lambert Joseph dans la délégation, ambassadeur et Haïti, République dominicaine là, et là, comme dit déjà sur place, dans la délégation, il y a quatre ministères affaires étrangères, Nixon Mitil qui était là. Et la République dominicaine, nous avons fait plusieurs réunions. Réunion, il y a un ministre affaires étrangères, il y a un ministre intérieur, il y a un ministre défense, il y a le directeur général de l'immigration, le directeur général des douanes, il y a deux sénateurs qui étaient là. Donc nous faisons une réunion au Santo Domingo, dans le ministère affaires étrangères. Question de plus ou moins résolue, résoudre dans quelque sorte. Et moi, je fais un pèlerinage, bon côté gouverneur provincial, Santiago, Barahona, Igwe, et m'a rencontré eux-mêmes personnellement, et moi, j'ai rencontré magistrat pour me dire, mais ça, discuter ce domaine. Moi, j'ai dit au moins pour les patients, pour prendre patience avec nous, parce que ça dit que côté pas respecté, et si c'est là, et puis finalement, Bagal a été calmé, et on va pouvoir être dans la première page, et puis Dominicaine. C'est même Bagal qui passait aujourd'hui avec Canal là. Question Canal là, pas daté de aujourd'hui, hein. Nous t'es tellement envisagé que Canal là a problème, il y a un accord qui était signé sous lit, il y a une convention depuis 1929. Et dans la convention, il y a des Bagal qui étaient dit, dans le moment, je veux dire, si convention lui-même n'est pas de mise encore, il y a des faiblesses là-dedans, deux peuples ont des responsabilités pour le chita,
pour yo au moins update li, ça veut dire que faire mise à jour là-dedans. Mais Haïti, c'est droit que le gagnait. C'est droit que le gagnait pour l'exploiter l'eau rivière là. La République dominicaine, son droit que le gagnait. La République dominicaine exerce ses droits pâles. Haïti exerce ses droits pâles. Ça, c'est le côté physique, c'est le côté émotionnel. C'est à quoi regarder au match football. Public a une responsabilité pour l'applaudir, pour le battre bravo, pour le battre bravo, pour l'équipe la gagner. Ça, c'est peuple-là avec ciment, avec glow, avec T-Well, avec Carter. C'est le public. Maintenant, équipe technique-là, ils ont l'autre responsabilité. C'est le côté rationnel. Pendant le public, la battre bravo, la mettre énergie, faut que l'équipe technique la chita, la garder aspect diplomatique là, comment traiter le problème ça va ressusciter. Parce que quand on résout dit, ou pas résout de manière rationnelle, ou résout de manière émotionnelle seulement, ou comme on dit, je prends précaution, oui, nous résout de manière émotionnelle seulement, parce que nous avons euphorie. Parce que nous, pas de agriculture dans le pays, nous avons une possibilité pour un fond canal qui a besoin de l'eau. Donc, tout le monde dans le canal là, c'est bien, c'est bravo à l'assaut en avant le canal. Mais songez, le canal là, il passe sur deux territoires. Lorsqu'il fait canal là, qui sont droits qu'on gagne, maintenant, il faut résoudre le problème diplomatique là. Parce que petit ça, qu'on a couché, il s'est deux papas. Si vous nous l'autre, il y a un papa, un maman, si vous nous l'autre, dans deux parents, vous voulez faire des ordres, il y a un qui a payé les conséquences là. Et Abinader lui-même, le comportement que lui a, c'est le côté raciste de Abinader. C'est-à-dire que lui ne voulait pas traiter égal à égal avec nous. Or, en diplomatie, traitement de égal à égal. Et si le monde qui est en face, lui ne pas voulait traiter égal à égal, il faut forcer le gagner. Mais d'après vous, qui ça a incité à tirer ça en bas de marché quoi? Mais on va guetter ramasser l'affaire. Nous va guetter. Mais marché de ça, est-ce qu'il nous parle? Est-ce qu'il nous parle? Nous parlons. Nous parlons. Nous parlons. Non. Ça veut dire juste des tirs au cou, quitter bagaille. Il y a des gens même qui ont marché dans la main de l'autre côté. Il y a plusieurs gens qui sont dans la main de l'autre côté. Non, c'est un autre dame qui a parlé de l'autre côté. Mais on ne peut pas vous tirer en Argentine, on ne peut pas vous tirer en Argentine. Seulement nous nous tirer et puis nous même nous couper. Oui, nous couper. Moi, on valise, comment ça passe? Comment faire sauver la valise? C'est valise là, tu es là. Valise là, tout comme la valise là. Qui sont-ils qui vendent dans la machine? Ça me gêne. Tu sont gêné, oui. D'accord. C'est du monde qui nous est capable de c'est le monde qui a sorti. Tout le monde qui a sorti. Pour écouter quoi, pour salaire. Pour écouter. Ok. Il faut la première guitare. Oui, bah, il n'y a pas bon. Ok, merci. Et pendant tout le temps, la nouvelle présence de la police. Merci. Mais on va guetter arriver en bas. On est arrivé, après nous avons bail pour nous acheter, nous devons copier. Nous pensons que nous avons une machine parce que nous avons tiré. Non, j'ai une machine quand même. Non, bien mieux. Mais nous sommes des gens qui sont malades ou malades. Non, mais comment faire arriver en bas pour le balsa? Comment faire tout le monde? Nous avons tiré. Nous avons tiré. Nous avons tiré. Nous avons Je ne sais pas si je vais acheter.
Normalement, même si acheter ou acheter, quoi que ça, là, vous pouvez vendre. Oui, vous m'avez. Qui sont achetés pour vous vendre? Petit avocat, oui. Pour combien de temps vous avez des points de personnes là-bas? Ça fait que vous avez des points de personnes arrivées pour descendre les pays.